Salut les traders, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo pour vous annoncer que les challenges du mois d'octobre, en fait, du moins qu'on va commencer au mois d'octobre avec le robot, ont été validés. Donc si on regarde sur le canal, j'ai eu pas mal de bons retours ces derniers temps, de pas mal de challenges validés, notamment avec la plateforme FTMO. C'est la plateforme que je recommande en règle générale, puisque c'est le prop firm le plus sérieux que je connaisse, hein. C'est l'un des principaux prop firm. Et il n'y a jamais eu de problème avec cette plateforme quand il s'agit de toucher ses gains, etc. Bien entendu, le robot fonctionne sur n'importe quelle prop firm. Simplement, je recommande personnellement d'utiliser FTMO et je précise que je ne suis pas du tout affilié à cette plateforme. C'est simplement mes recommandations. Voilà. Donc, effectivement, si on regarde les critères du coup de FTMO, donc sur un challenge à 100 000 dollars, ici on a une perte maximale journalière donc de 5 000 dollars et une perte maximale de 10 000 dollars pour un objectif de profit qui est de 10 000 dollars. Il faut donc que l'objectif de profit soit atteint avant de toucher le drawdown qui est la perte maximale ici. Et si on va du coup sur le backtest du mois d'octobre, donc du 1er octobre au 31 octobre. Donc du coup sur EURUSD, je précise qu'il faut utiliser le robot précisément sur EURUSD ou sur USDJPY. Si vous faites un challenge, vous devez idéalement utiliser un seul actif et de préférence EURUSD en M15, d'accord? Tout en gardant les paramètres par défaut. On va lancer le backtest avec un modelage en chaque tick. Voilà, et du coup, si on va sur le rapport, on a pour un dépôt initial de 100 000 dollars un profit total net de 20 966 dollars. D'accord? Alors, je précise que vous n'aurez pas le temps d'aller jusqu'à ce type de résultat, ok? Puisque dès que vous avez touché les 10 000 dollars, en fait, votre challenge se coupe et il se valide automatiquement. Donc là, même si vous voyez marqué 20 966 dollars, vous n'auriez pas eu le temps d'aller jusqu'à de tels gains. Et au niveau de la chute maximale, on voit ici 15%, mais c'est 15% pour 20 000 dollars, d'accord? Puisque votre challenge s'arrête à 10 000 dollars, le drawdown, la chute maximale, elle est d'environ 7%, 7% et demi. Ok? On est bien en dessous des 10 000 dollars qui représentent 10%. Voilà, donc je profite également de cette vidéo pour répondre à des questions qui me sont posées. On me demande souvent si le robot peut être utilisé hors challenge. La réponse est oui. Le robot Magic Freecom a été conçu pour valider les challenges prop firm, mais il fonctionne également sur tout type de broker. Il fonctionne également sur des comptes financiers une fois que votre challenge est validé. Et si vous ne faites pas de prop firm, si vous avez un broker classique, vous pouvez utiliser le robot tant qu'il est compatible avec MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Vous avez les deux versions quand vous obtenez le robot. Je profite également de cette vidéo pour vous parler des nouveautés apportées au robot. Donc ici, j'ai ajouté l'option trailing, training stop. Alors ici, vous pouvez configurer vous-même le trailing du robot. Il est configuré par défaut sur 25 pips. Donc ça signifie que quand l'ordre est déclenché, il va y avoir un training stop automatique qui va suivre votre trade. Alors du coup, vous pouvez mettre 35 pips ou laisser sur 25 pips, mais n'allez pas en dessous de 25 pips, d'accord? Ce sont les seuls paramètres que vous pouvez changer, c'est le trail pips long pour un ordre d'achat et le trail pips short pour un ordre de vente. Mais vous devez absolument laisser le trail step sur 5 pips et le trail above short sur 10 pips. Ok, les horaires sont de 8h à 12h15, vous devez laisser tel quel. Vous avez le paramètre MM% que vous pouvez changer, c'est le paramètre qui gère le pourcentage de risque par rapport à votre capital sur chaque trade. Donc du coup, il est réglé sur 1%. Si vous faites un challenge, n'allez pas au-dessus de 1%, d'accord? Et puis vous avez les jours de trading. Donc vous laissez tous les paramètres
par défaut, à l'exception du 13 pips long que vous pouvez changer et mettre sur 35 pips au lieu de 25 pips, et le mm% que vous pouvez modifier. Vous pouvez mettre par exemple 0,5 au lieu de 1, ou vous pouvez monter à 2, mais 2 c'est quand vous êtes hors challenge ou si vous n'êtes pas en propre firme, d'accord? Si vous êtes en propre firme, vous laissez sur 1 ou vous mettez sur 0,5. Le tout sur Euro USD ou USD JPY, donc pas les deux en même temps si vous êtes en challenge, c'est l'un ou l'autre, et de préférence Euro USD en M15. Si vous avez d'autres questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez les laisser en commentaire ou alors vous pouvez me contacter directement sur Telegram. Vous avez mon contact Telegram juste ici. Et je vous invite du coup à rejoindre le canal Telegram puisque c'est sur ce canal que je partage toutes les actualités, les mises à jour concernant le robot Magic Freecom ainsi que des astuces pour améliorer, perfectionner votre trading manuel si c'est le cas. Si vous n'êtes pas encore client du Magic Freecom et si vous souhaitez obtenir le robot, vous avez le lien en description de cette vidéo pour acquérir le robot. Vous aurez automatiquement le lien de téléchargement du robot en page de remerciement ainsi qu'une vidéo tutoriel expliquant comment l'installer. Mais je viens de vous expliquer comment l'installer, donc c'est vraiment très simple. Vous avez les deux versions, MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Je reste également à votre disposition si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de faire un maximum de gains pour vos propres firmes ou autres et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À bientôt.